C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole au député de Temiskaming-Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-présidente. Les médecins de première ligne et les experts de santé publique ont sonné l'alarme par rapport à la réponse du Premier ministre face à la deuxième vague de la COVID-19. Et hier, le Premier ministre a répondu en disant qu'ils n'ont pas lu le plan. Et il continue d'insister que le taux d'infection est en baisse. Quelques heures après, le médecin hygiéniste en chef de Peel a répondu. Indépendamment de ce que le nouveau cadre de la province dit, nous devons être clairs. Nos métriques vont clairement dans la mauvaise direction. Fin de citation. Est-ce que le gouvernement Ford s'attend à ce que les gens croient que ce médecin qui travaille en première ligne n'a pas lu tout le plan? Agent parlementaire, député de Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de l'opposition pour cette question. Pendant la pandémie, notre gouvernement a suivi les meilleurs conseils disponibles de scientifiques et d'experts en santé publique. Et c'est ce qui s'est passé avec notre nouveau cadre que nous avons publié. Nous avons examiné les preuves et écouté les experts. Il n'y a pas de pénurie d'opinion de différents médecins au sujet de ce qui doit ou ne doit pas être fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est de rendre les meilleurs conseils disponibles pour le public. Et c'est ce que le cadre fait. Il va permettre d'offrir des informations aux gens pour qu'ils puissent discuter et examiner cela. Et on peut l'ajuster à l'avenir. Est-ce que nous pensons, et nous pensons que c'est le meilleur cadre en s'appuyant sur les conseils qu'on a reçus des experts. Question complémentaire. De nombreux médecins et experts médicaux ont souligné des préoccupations importantes au sujet de ce plan. Ce sont des gens qui travaillent dans les unités de soins intensifs. Et ce sont les gens qui opèrent dans les unités de santé publique. Et le Premier ministre, plusieurs fois, les a appelés justement leur quarterback. Et donc, si le gouvernement a foi dans ce plan, pourquoi est-ce qu'il ne nous montre pas les études et les preuves sur lesquelles ils se basent pour établir leur cadre? Réponse. Agent parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. Notre gouvernement a été très transparent depuis le début. Pendant la pandémie, nous avons eu des conférences de presse quotidiennes avec le public. Les médias étaient prêts à nous poser des questions. On a répondu aux questions ici, dans la Chambre, et nous avons fourni le nom des personnes qui nous ont donné ces preuves, le médecin hygiéniste en chef et la médecin hygiéniste en chef adjointe. Et deux fois par semaine, on a des conférences de presse pour répondre aux questions. Et maintenant, on a communiqué notre nouveau cadre qui va donner les indicateurs et les choses sur lesquelles on s'appuie pour définir ces mesures de santé publique. Et je pense que le public a un nombre élevé d'informations. Nous avons également publié un tableau de bord sur notre site web relatif à la COVID-19 et c'est facile à utiliser. C'est disponible tous les jours à tout temps. Et nous voulons nous assurer que les gens ont toutes les informations pour prendre les meilleures décisions. Question complémentaire finale. Je pense que de nombreux membres du public ne sont pas d'accord avec cette réponse. Le Premier ministre semble avoir tout simplement ignoré et gaspiller toutes les opportunités possibles pour préparer les Ontariens à une deuxième vague. Et maintenant, les cas sont en hausse. Nos communautés ont besoin de messages clairs pour faire face à la COVID-19 et maintenant, il semble qu'ils ont besoin d'aide, plus d'aide. Les foyers de soins de longue durée ont besoin de personnel maintenant. Les tests et les recherches de contact ont besoin de simulations maintenant. Les entreprises les plus touchées ont besoin d'aide financière maintenant. Au lieu d'ajouter plus de chaos et plus de confusion, est-ce que le Premier ministre va enfin aider la province à faire face à cette deuxième vague? Réponse. Notre gouvernement est engagé à utiliser toutes les ressources possibles pour protéger la santé et le bien-être de tous les
ontariens. Et c'est pour cela que nous avons dévoilé notre plan sanitaire de l'automne de 2,8 milliards de dollars pour garder tous les Ontariens en bonne santé et les préparer à de nouvelles vagues de la COVID-19. Et ce plan s'appuie sur des mesures qui seront appliquées et des politiques innovatrices afin d'assurer que la province est préparée à répondre à des scénarios sévères. Le plan inclut la prévention de maladies, la protection des communautés en maintenant les mesures de santé publique et en mettant en œuvre des campagnes de vaccination partout en Ontario. Et nous essayons d'appuyer également nos travailleurs de première ligne. C'est un plan excellent qui a permis d'augmenter le nombre de tests. On est à 50 000 tests en ce moment par jour et il n'y a rien qui va arrêter ce gouvernement à utiliser toutes les ressources nécessaires pour protéger les Ontariens. Merci. Prochaine question. Encore une fois, député de Temeskine-Cochrane. La question est pour la vice-présidente. Le premier ministre veut accélérer l'adoption des projets de loi et rendre les administrateurs de foyers de soins de longue durée non responsables. Après que 2000 aînés aient perdu la vie dans ces foyers, le gouvernement devrait établir des audiences. Au lieu de ça, ils veulent adopter ce projet de loi. En pleine pandémie, au lieu d'assurer que tout le monde participe pour aider la situation, ils font tout le contraire. Le gouvernement a établi des audiences dans une salle sans télédiffusion. En d'autres mots, personne n'est en mesure de regarder les débats. Pourquoi est-ce que le gouvernement supprime des audiences au lieu de permettre au public de pouvoir y participer? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Je suis un peu surpris de la question de la part du député de l'opposition. Il est un président du comité et il sait que le gouvernement ne décide pas des salles où se tiennent les audiences du comité. Les membres et le président du comité peuvent décider comment traiter les motions et demander les salles de comité. Cela étant dit, le gouvernement reconnaît que pendant la COVID-19, il y avait un manque en termes de salles de comité en ce qui a trait à la télédiffusion. C'est pour cela que le gouvernement a été requis d'utiliser la salle de la régie de l'économie plutôt pour assurer que tous les comités, toutes les salles de comité seront télédiffusées. Et c'est une étape importante qu'on devait faire depuis longtemps. On apprécie le fait que le gouvernement essaye d'assurer que les Ontariens ont accès à toutes les salles de comité. Question complémentaire. Monsieur le Président, pour la sécurité des Ontariens, ce projet de loi a été. Cette assemblée a été fermée au public et nous, on est contents de cela. Et c'est pour cela que ce projet de loi doit être télédiffusé. Le gouvernement sait qu'il y a un intérêt. 58 individus se sont présentés avec un délai très court pour parler de ce projet de loi, mais seulement 15 ont été permis de participer. Je ne suis pas surpris que le gouvernement n'a pas donné la priorité à une seule famille qui a perdu des proches dans les foyers de soins de longue durée. Pourquoi ce gouvernement fait tout en son pouvoir pour assurer l'adoption d'un projet de loi qui limite la responsabilité des administrateurs de foyers de soins de longue durée privés? Pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas cette responsabilité à tout le monde? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. De par ma connaissance, je ne suis pas au courant que nous ayons reçu une requête de la part du comité pour assurer que le comité était télédiffusé. On n'a pas reçu de requête là-dessus. Le même processus est utilisé pour tous les comités. Les membres de l'opposition ont l'opportunité de sélectionner les membres qu'ils veulent pour le comité. Le gouvernement n'est pas intervenu et n'a pas empêché les gens de présenter. Ce que j'ai compris, c'est que c'était le député d'Orléans qui a fait obstruction à ce comité, et c'est pour cela qu'il y a eu moins de présentations. À aucun moment est-ce que nous sommes intervenus.
où nous avons empêché la télédiffusion du comité. Alors, je pense que comme il est président, s'il veut que le comité soit télédiffusé, qu'il fasse une demande officielle. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, le gouvernement est majorité au comité, donc il peut apporter ces changements. Les familles méritent des réponses du gouvernement. Ils méritent savoir qui a fait du lobbying pour demander ces changements. Au sein de notre parti, nous croyons que les familles et les survivants devraient se faire entendre. Le gouvernement a honte de sa propre mesure législative et donc il veut cacher des choses du public. Le gouvernement sait que les gens s'intéressent à ce projet de loi. Le gouvernement est majoritaire au comité et donc contrôle son ordre du jour. Mais en bout de ligne, c'est le gouvernement. Le gouvernement fera-t-il ce qui s'impose et va-t-il diffuser ces séances de comité en ligne pour que toutes les personnes qui ont fait une demande de comparatoire peuvent avoir voix au chapitre? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, si j'ai bien compris, il y a eu un ordre de la Chambre par rapport à ce projet de loi qui a été voté par tous les députés. Si le député a des informations qui disent le contraire, il n'y a pas eu de demande faite pour que ce comité se produise dans une salle où les audiences pourraient être télédiffusées. Je n'ai pas vu de telles demandes. Et le député sait que le gouvernement n'a pas de majorité sur les sous-comités. C'est un député de l'opposition, un député du gouvernement. Et le député sait que l'opposition peut choisir les témoins en comité. Donc si le député n'est pas au courant de ces choses, nous pouvons lui donner une séance d'information. Comme président du comité, je suis surpris qu'il n'en ait pas au courant. Je lui dirais, arrêtez de politiser ces choses qui sont si importantes pour tous les Ontariens. Nous allons faire ce qui s'impose. La question suivante, la députée de London Fanshawe. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, mes collègues de London ainsi que moi-même avons demandé à votre gouvernement de faire en sorte que les gens qui ont besoin de dépistage peuvent y accéder et en temps opportun. Dans une conférence de presse la semaine dernière, le Dr Mackey, le médecin hygiéniste en chef de London, a dit que la recherche des contacts n'est pas efficace s'il faut une semaine pour avoir les résultats. Cependant, les arriérés en matière de dépistage perdurent à London hier. 28 000 résultats ont été affichés et 33 sont toujours en suspens. Et c'est loin des 50 000 tests par jour promis par le gouvernement. Entre-temps, les parents et les enfants se demande est-ce qu'il est sécuritaire de retourner au travail ou à l'école. Les petites entreprises n'ont pas assez de personnel et les résidents des foyers de soins de longue durée n'ont pas accès à leurs aidants naturels. Le gouvernement posera-t-il des gestes immédiats pour s'attaquer à cet arriéré à London? La députée de Teddington Lawrence, l'adjointe parlementaire. Notre gouvernement comprend à quel point le dépistage est important pour vaincre la COVID-19. C'est une priorité. Et plus tôt on peut identifier des cas, plus tôt on sera en mesure d'arrêter la propagation du virus. La députée doit comprendre que le dépistage se fait en fonction de la demande. Toute personne ayant besoin d'un test y aura accès. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ce moment et 80 % des résultats sont fournis après 24 à 48 heures. Il y a toujours des tests en suspens, mais la situation s'est stabilisée. Et je peux vous rassurer qu'il n'y a aucune arriéré. Il faut du temps pour faire le dépistage, pour transporter les échantillons, pour faire l'analyse du laboratoire. Donc il y aura toujours des tests en cours. Et à moins que ça dépasse notre capacité, c'est-à-dire 50 000 tests, ce n'est pas une arriéré. Ces tests seront traités la journée suivante et les résultats seront disponibles après 24 à 48 heures. Question complémentaire. Monsieur le Président, Leora est aidant naturel pour sa mère qui a 101 ans et vit dans un foyer de soins de longue durée. Donc pour elle, le temps est très important. Elle m'a dit, mercredi dernier, j'ai fait mon test que je fais toutes les deux semaines. Je ne peux pas voir ma mère sans ces résultats. Donc aviser le foyer que je me suis fait tester
ne suffit pas. On répond aux besoins physiques de ma mère, mais cependant, on ne s'attaque pas à ses besoins affectifs. Le personnel fait de son mieux, mais a besoin de l'aide de la famille. La sécurité est une priorité pour elle et pour les autres résidents, mais sans temps de réponse amélioré, on perd du temps. Fin citation. Le gouvernement s'engagera-t-il à ce que les bureaux de santé locaux aient les ressources nécessaires pour que les aides naturelles essentielles ne doivent pas avoir à perdre leur temps en attente de résultats? L'adjointe parlementaire. Notre gouvernement est déterminé à ce que les Ontariens puissent se faire tester et recevoir les résultats en temps opportun. C'est pour ça que nous investissons plus d'un milliard de dollars pour élargir la capacité du réseau provincial des laboratoires afin de traiter plus de tests et afin que les laboratoires aient les ressources dont ils ont besoin. Cet investissement comprend plus de personnel dans les laboratoires, l'amélioration des données numérisées et d'autres éléments automatisés. Je tiens à dire à la députée que selon Santé Ontario, les foyers de soins de longue durée et les autres milieux d'hébergement collectif sont prioritaires dans les laboratoires provinciaux, notamment en cas d'éclosion. Il faut se rappeler du fait que la province a effectué plus de 5 millions de tests, c'est le tiers de notre population. Notre gouvernement travaillera avec les acteurs du milieu à l'échelle de la province pour que le temps de traitement soit amélioré. Nous ne voulons pas que les Ontariens se fassent à des retards pour ce qui est des résultats des tests de dépistage. Question suivante, le député d'Oakville. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Nous savons que la liste d'attente pour les soins de longue durée est devenue très longue au cours des 15 dernières années. C'était avant la pandémie. La ministre a souvent parlé en chambre des efforts en cours pour apporter une réforme au système des soins de longue durée. Mardi, vous avez annoncé que le gouvernement va vendre certains terrains afin de bâtir 3 nouveaux foyers, c'est-à-dire 900 lits. Étant donné les besoins criants en matière de capacité dans les foyers de soins de longue durée, la ministre peut-elle expliquer ce que fait notre gouvernement pour ajouter plus de lits au réseau et comment est-ce que cette annonce aidera les gens à Oakville? La ministre des Soins de longue durée. Merci aux députés d'Oakville de ses efforts dans ce dossier. Nous honorons notre engagement de permettre aux aînés d'avoir accès au foyer de soins de longue durée, c'est-à-dire un foyer sécuritaire avec des soins de qualité. La construction de ces foyers nous permettra de relever les défis auxquels font face les exploitants des foyers de soins de longue durée. À Oakville, il y aura 512 lits de plus qui seront à 2165 Dundas Street West. Ce n'est qu'un élément de l'engagement de notre gouvernement pour ajouter 30 000 lits au réseau au cours d'une décennie. Notre gouvernement continuera d'honorer cet engagement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. C'est une excellente nouvelle pour les gens à Oakville et pour tous les Ontariens. Beaucoup de gens à Oakville m'ont soulevé des préoccupations quant à l'accès aux soins de longue durée. Je suis heureux que des progrès ont été réalisés à Oakville et ailleurs en Ontario. C'est une mesure essentielle pour nous attaquer à la liste d'attente. Le gouvernement précédent n'a ajouté que 611 lits entre 2011 et 2018, mais la population des aînés a augmenté de 170 000 personnes. Le gouvernement a été élu par les Ontariens en raison de notre plan vis-à-vis des soins de longue durée. Je suis heureux donc que nous ajoutons beaucoup de lits avec ce projet et l'un de ces projets est dans ma communauté. Et donc la ministre peut-elle nous parler des efforts du gouvernement pour s'attaquer aux problèmes au niveau des soins de longue durée? La ministre des Soins de longue durée. En travaillant avec nos partenaires, le gouvernement se sert de solutions novatrices afin de faire progresser son plan pour les soins de longue durée. La construction de ces 3 foyers signifie 900 lits de plus
qui seront ajoutés au réseau. Mais notre gouvernement sait qu'il faut faire davantage pour s'attaquer aux problèmes de capacité. Nous avons annoncé un projet pilote sur la construction accélérée qui nous permettra d'ajouter des lits au réseau. Il y aura aussi la climatisation dans ces foyers, ainsi que des chambres privées et semi-privées. Nous avons un plan pour améliorer la capacité des soins de longue durée et nous allons continuer nos efforts à cet égard. Question suivante, la députée de Beaches East York. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Anne Baird, qui vit dans ma circonscription, n'a pas pu aider sa mère depuis l'arrivée de la pandémie en mars. Ses sœurs non plus. Sa mère vit dans un foyer de retraite à Dundas. Elle a plus de 90 ans. Sa santé n'est pas bonne et elle a besoin des soins de ses filles. Malgré l'absence de cas de COVID dans ce foyer et malgré le fait que ses filles sont aidantes naturelles, elles n'ont pas le droit de voir sa mère. Donc comment le gouvernement fera-t-il en sorte que des personnes comme Anne puissent voir leurs êtres chers? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de cette question. Notre gouvernement comprend à quel point les aidants naturels sont importants. Le bien-être affectif est l'une de nos priorités. Nous comprenons la situation dans certains foyers, mais comme vous l'avez dit, les foyers qui n'ont pas d'éclosion sont obligés de permettre l'accès des aidants naturels. Les résidents peuvent nommer deux personnes comme aidants naturels qui ont le droit d'entrer dans le foyer. Nous allons travailler avec nos partenaires afin de comprendre les besoins des résidents, de leurs familles ainsi que du personnel. Ces efforts nous permettront de nous attaquer aux problèmes causés par la première vague. Nous comprenons les défis et nous voulons que les aidants naturels puissent accéder à leurs êtres chers. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Anne, ses sœurs et leurs familles limitent leur exposition aux autres personnes afin de ne pas contracter la COVID-19 et cause des infections dans ce foyer. C'est cruel de ne pas permettre l'accès à la mère d'Anne. Elle a besoin de l'aide de ses filles. C'est pour ça que notre mesure législative proposée permettrait aux résidents et à leurs aidants naturels d'avoir voix au chapitre. Le gouvernement, quand commencera-t-il à écouter les familles et quand fera-t-il adopter ce projet de loi? La ministre des Soins de longue durée. Nous suivons de près les situations dans les foyers de soins de longue durée. Nous comprenons l'importance des membres de famille et des aidants naturels. Et le bien-être sur le plan affectif est quelque chose de très important. L'un de mes parents était en soins de longue durée, et donc je comprends l'importance des visites. Et je le faisais assez souvent avec ma mère. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je vais continuer de déployer toutes les mesures possibles. Je vais écouter les familles et je vais m'attaquer aux défis dans les foyers de soins de longue durée. Question suivante, le député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. À Starwood, un foyer de soins de longue durée à Ottawa, il y a 79 cas de la COVID chez les résidents, 19 cas chez le personnel. 9 résidents sont décédés. C'est l'une des pires éclosions de la province. Monsieur le Président, je l'ai dit que c'est comme une incendie de forêt. Une fois commencé, c'est difficile de la maîtriser. Et l'exploitant du foyer a avoué dans un courriel que des retards en matière de dépistage ont contribué à cette éclosion. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend cela durant la deuxième vague. Et ça ne suffit pas de dire que c'est une priorité. Il faut le faire. Les retards en matière de dépistage signifient des retards au niveau du personnel. Et c'est comme ça que les résidents tombent malades. Donc la ministre peut-elle nous expliquer pourquoi
Il n'y a pas suffisamment de dépistage pour protéger l'ensemble des résidents des foyers de soins de longue durée. L'adjointe parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné, notre gouvernement est déterminé à ce que les Ontariens puissent compter sur le traitement des résultats de dépistage en temps opportun. C'est pour ça que nous avons investi 1 milliard de dollars pour améliorer la capacité des laboratoires et pour réduire le temps de traitement. C'est ce que nous avons fait. Nous avons engagé plus de personnel, plus de professionnels. Nous avons amélioré la qualité des données. Nous avons numérisé certains formulaires. 80% des tests se feront après 24 à 48 heures. Nous avons dépisté plus de 5 millions d'Ontariens. Les foyers de soins de longue durée sont prioritaires pour ce qui est des résultats de dépistage et ceux qui ont des éclosions sont encore plus prioritaires. Question complémentaire. On ne sait pas s'il y a une éclosion s'il n'y a pas de dépistage. 89 foyers ont des éclosions aujourd'hui. Plus tôt cette année, à Weston Villa, 20 résidents sont décédés en raison de la COVID-19. Et Starwood et Weston Villa sont à 15 minutes du bureau de circonscription de la ministre. Et ce qui s'est produit dans ces foyers est très grave. Et à tous les jours, il est troublant lorsque la ministre minimise l'importance des cas, comme si le fait que très peu de foyers ont des éclosions signifie que ces éclosions ne sont pas importantes. On ne peut pas minimiser l'importance de la COVID-19. C'est la responsabilité de la ministre de protéger l'ensemble des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Ce qu'il faut, c'est-à-dire le dépistage, n'est pas disponible à tous. Donc, ma question est la suivante. Quand allez-vous faire en sorte que le temps de traitement des tests de dépistage soit fait en temps opportun? L'adjointe parlementaire. Merci, Monsieur le Président, et merci de cette question. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le temps de traitement est raisonnable. 80% des tests sont traités après 24 à 48 heures. Nous voulons que 90% des tests soient traités au cours de cette période. Il serait excellent de passer à 100% de tests traités après 24 à 48 heures. Nous avons investi 1 milliard de dollars dans le dépistage. C'est une priorité du gouvernement, notamment chez les résidents des foyers de soins de longue durée. Et les foyers qui ont des éclosions sont prioritaires. Nous comprenons à quel point il est important de traiter ces tests dans des délais raisonnables. Bien entendu, n'importe quel foyer ou hôpital qui a une éclosion nous inquiète et nous voulons pouvoir isoler les cas afin de nous occuper du bien-être de l'ensemble des résidents. Question suivante. La députée de Barrie-Innisfil. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Vous savez, il favorise le succès dans cette province, mais vous savez, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Le tiers des ouvriers spécialisés partiront bientôt à la retraite. Le gouvernement doit faire davantage pour promouvoir les métiers spécialisés. Il y a des centaines de milliers d'emplois disponibles dans la province qui peuvent transformer les vies de bon nombre de personnes, des jeunes, des immigrants, des femmes. Toutes ces personnes ont l'occasion d'avoir un emploi payant. Cependant, il y a souvent des obstacles. Donc, le ministre du Travail peut-il nous expliquer ce qu'il fait pour que ces gens puissent être couronnés de succès, peu importe leurs origines? Le ministre du Travail, merci à la députée de Barrie-Innisfil de cette question. Et merci d'avoir fait de la promotion des métiers spécialisés. Ce sont des emplois payants qui ont des avantages sociaux, des régimes de retraite, et nous devons pourvoir les postes au cours des prochaines années. C'est la mission de notre gouvernement de pourvoir ces postes pour que notre province puisse être concurrentielle et pour que nous puissions répondre aux besoins des collectivités. Dans le cadre de notre stratégie en matière de métiers spécialisés, nous avons fait des investissements dans le domaine à l'échelle de la province. Nous avons annoncé 43 millions de dollars, ce qui signifie que les élèves en première année
auront des cours sur les métiers spécialisés. Le premier ministre et moi-même avons annoncé 2 millions de dollars pour venir en aide aux personnes racisées de poursuivre ces carrières, y compris 5 000 dollars pour les services d'emploi à la jeunesse à Toronto et pour aider avec la formation en informatique pour 100 personnes racisées. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, de la réponse. La COVID-19 a durement touché beaucoup de secteurs d'activité, notamment les femmes en sciences, technologie, génie et mathématiques. Et je sais que la ministre de la condition féminine a parcouru la province afin d'encourager les femmes de poursuivre ces carrières. Elle travaille avec Kick-Ass Careers. Il y a toute une demande dans notre économie. Beaucoup de femmes poursuivent cette carrière. Donc, la ministre, que fait-elle pour favoriser les métiers spécialisés chez les femmes? La ministre, merci à la députée de Barrie-Innisfil. La députée a raison. Les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie à la maison et en milieu de travail. Et nous sommes déterminés à ce qu'elles ne soient pas laissées pour compte alors qu'on rouvre l'économie. Notre gouvernement défend tous les travailleurs de l'Ontario, y compris les femmes, et nous les encourageons à poursuivre des carrières dans le domaine de sciences, technologies, génie et mathématiques. J'ai pu me rendre au Burlington Center for Skills Development. Et dans le cadre du programme de 22 semaines, les femmes reçoivent la formation nécessaire pour commencer une carrière dans le secteur de la construction. Nous avons annoncé un investissement de 75 millions de dollars au cours des deux prochaines années afin de payer les coûts des ouvriers spécialisés qui suivent des cours à cet égard. Nous allons continuer de faire en sorte que les femmes soient au courant de ces possibilités de carrière. Question suivante, le député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Le conseil municipal de Kingston a adopté une motion demandant au gouvernement de prolonger l'interdiction d'exclusion commerciale pour des établissements du secteur des arts. La propriétaire de notre cinéma, The Screening Room, a dit qu'elle a 75 % de moins de clients. Et elle a dit qu'ils sont en train de dépenser des milliers de dollars par mois. Cette entreprise ne peut pas se servir de la subvention pour loyer commercial de la province. Des entreprises du secteur des arts ont besoin de soutien. Si ces entreprises fermeront leurs portes, on ne les verra jamais à nouveau. Le gouvernement va-t-il prolonger l'interdiction des exclusions commerciales pour les entreprises du secteur des arts pour une période de 6 mois de plus? L'adjoint parlementaire, le député de Willowdale. Merci aux députés d'en face d'avoir soulevé cette question. Le secteur des arts fait face à une situation très difficile en raison de la pandémie. C'est pour ça que nous avons mis de côté notre partisanerie. Nous avons travaillé avec tous les paliers du gouvernement et avec tous les partis afin de prévoir un cadre de soutien coordonné. C'est ce qu'a fait notre gouvernement. Nous avons fourni 30 milliards de dollars et 241 millions de dollars étaient pour le programme de loyer commercial, ce qui a aidé plus de 800 000 employés. Il y a un nouveau programme en matière de loyer annoncé par le fédéral qui sera dirigé par les locataires. Il y a encore du chemin à parcourir et c'est pour ça que j'ai hâte de voir les prochaines étapes sur notre réponse à la COVID qui seront dévoilées d'ici quelques heures. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je dois aux députés, je demandais la prolongation de 6 mois de l'interdiction des expulsions. Et j'espère que cela fera partie du budget parce que les programmes ne veulent pas dire grand-chose si finalement ces entreprises seront expulsées. Le secteur des arts contribue énormément à notre économie et au bien-être des collectivités. Durant l'été, le Festival de films de Toronto a fait une présentation devant le comité des finances et a parlé des 200 millions de dollars en activité économique, des milliers d'emplois et les 850 millions de clients.
Les artistes et le secteur des arts constituent l'âme de nos collectivités et constituent aussi une source de joie. Ces entreprises sont très importantes, étant donné le manque d'appui en matière de santé mentale. Le gouvernement fournira-t-il un financement supplémentaire afin de reconnaître les coûts à la hausse auxquels font face ces entreprises? Le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de son inquiétude vis-à-vis de ce secteur. Et c'était dommage que le festival de films n'a pas eu lieu cette année. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de prospérité économique. Monsieur le Président, nous devons continuer d'appuyer ces entreprises. Et notre gouvernement a fourni 30 milliards de dollars en soutien. C'est une démarche coordonnée avec nos partenaires fédéraux afin de combler les lacunes pour ce qui est de leurs efforts de soutien. C'est pour ça que nous avons investi 300 millions de dollars pour aider sur le plan des impôts fonciers et sur le plan des autres impôts. Il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que le budget sera l'occasion d'annoncer les étapes à suivre pour protéger le secteur des arts, pour appuyer ces entreprises. Et nous allons regarder vers l'avenir afin d'avoir un plan de reprise. Question suivante, le député de Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Le Conseil scolaire catholique de Simcoe-Muskoka a reçu l'approbation pour bâtir une école désespérément nécessaire à Alliston dans le lotissement Treetops. Mais finalement, le Conseil scolaire attend toujours l'approbation du projet. Les parents et les enseignants sont très frustrés et la COVID-19 aggraver leur frustration. Il faut qu'on s'assure de la distanciation physique. Donc, le ministre va-t-il passer en revue ce dossier et fera-t-il en sorte que ce projet soit approuvé? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, et merci au député d'en face de sa question. Si j'ai bien compris, le Conseil avait demandé l'approbation pour faire un appel à l'offre en août 2020. On a aussi demandé à ce que le budget soit augmenté. Nous sommes en train de passer en revue ce dossier et je comprends les inquiétudes des gens à Alliston. Je vais travailler avec le bureau du sous-ministre afin de donner une réponse au Conseil scolaire dans des délais raisonnables. Question complémentaire. Merci au ministre de cette question. Des centaines d'élèves comptent sur vous de faire progresser ce dossier. La nouvelle école aura environ 430 élèves qui font leurs études à Beaton. Et il y aura bientôt 12 écoles portables. C'est la limite à cette école. Et oui, il y a beaucoup de croissance dans cette région de la province. Simcoe Gray est devenue la région qui a le plus de croissance en Ontario. Donc, Monsieur le ministre, le temps presse et il est dommage que c'est à vous de vous en occuper. On aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Le ministre de l'Éducation. Oui, le Conseil scolaire avait fait sa demande en août et nous sommes en train de passer en revue ce dossier. Nous comprenons que les familles veulent cette nouvelle école et je suis d'accord que la construction d'écoles durant la pandémie est importante à moyen terme afin de nous attaquer aux problèmes en matière de capacité dans des villes telles que Alliston. Nous venons d'annoncer 500 millions de dollars en investissement d'immobilisation. Environ 1 milliard de dollars pour bâtir de nouvelles écoles, pour les rénover et pour ajouter 1 700 nouvelles places dans les garderies. Il y a encore du travail à faire et j'ai hâte de répondre aux besoins des Ontariens. Question suivante, le député de Markham Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires avec les Autochtones. Monsieur le Président, la première semaine en novembre, c'est la semaine
de sensibilisation aux traités. Mes commettants comprennent l'importance des traités, étant donné que nous sommes ciblés par un traité important. Le ministre peut-il nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour sensibiliser les gens à l'importance des traités? Le député de Peterborough-Kawartha. Monsieur le Président, la semaine des traités est l'occasion de sensibiliser les gens aux traités qui sont un élément important de nos relations avec les Autochtones. À chaque année, les anciens des Autochtones, comme Doug Williams, partagent leurs histoires en ligne et dans les écoles de la province. Cette année, nous avons élargi les programmes en ligne afin que davantage d'Ontariens puissent y participer. Nous voulons honorer l'histoire des traités afin de préserver les cultures autochtones alors que nous nous dirigeons vers la réconciliation. Les anciens qui racontent ces histoires, en fait, c'est une expérience très riche pour les autres. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'adjoint parlementaire. Beaucoup de mes commettants vont participer à un événement en ligne pour la bibliothèque. Que fait le gouvernement pour le jour du souvenir? Merci, Monsieur le Président. Nous reconnaissons l'importance des chefs autochtones. Et nous le faisons via le programme des bibliothèques. Mais il y a plusieurs autres ressources aussi. J'aimerais aussi vous dire que le 8 novembre est la journée des anciens combattants autochtones. Des Métis et des Inuits ont combattu pendant la guerre de Corée et les deux grandes guerres. Ces vétérans autochtones ont défendu ce pays également. Merci. Question suivante. Député de London-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, le ministre a dit que nous avons la possibilité d'atteindre des milliers de tests par jour, mais cela dépend du nombre de personnes qui se présentent. Les gens de ma circonscription se présentent pour un test, mais ils ont de la difficulté à obtenir un test. Par exemple, une de mes commettantes a accès à une pharmacie qui n'offre qu'une heure par jour pour du dépistage. Cela prend des heures avant d'obtenir un test. La semaine dernière, elle m'a écrit un courriel pour parler de sa frustration et elle a dit que les tests de dépistage étaient un échec. Pourquoi est-ce que les Ontariens ne peuvent pas être testés et pourquoi est-ce que la ministre ne peut pas reconnaître le manque de responsabilité du gouvernement? Député d'Eglinton-Lawrence, merci pour la question. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous reconnaissons l'importance des tests. C'est notre priorité pour notre gouvernement. Nous avons investi $1 milliard pour augmenter notre stratégie de tests. Nous testons 50 000 personnes par jour. Malheureusement, nous n'avons pas toujours ces capacités. Lorsque c'est le cas, nous essayons d'améliorer la situation. Nous attendons aussi à ce que des tests rapides soient approuvés par Santé Canada pour avoir des résultats plus rapidement. C'est une autre initiative qui pourrait améliorer la situation. Bien sûr, il se peut que des gens aient à attendre pour les tests, mais dans 80 % des cas, les résultats sont révélés en 24 heures. Et je pense que nous pouvons continuer de nous améliorer. Question supplémentaire? Une autre de mes commettantes m'a écrit la semaine dernière. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que elle a dû attendre 4 jours avant d'obtenir un rendez-vous pour son fils qui était asymptomatique. L'accès difficile aux tests diminue le nombre de tests. Et c'est ce que nous avons entendu hier lorsque la ministre a dit qu'elle ne savait pas si la chef de l'opposition voudrait seulement
à prendre les gens par la main et les amener se faire tester. Tout ce que nous voulons, c'est un plan de dépistage avec des pistes, avec des résultats et des cibles réalistes. Merci, Eglinton Lawrence. Nous faisons ce plan. Nous le mettons en exécution. Nous pouvons tester 50 000 personnes par jour. Vous dites que nous ne pouvons pas, que des gens ne peuvent pas avoir accès à un centre de dépistage, mais je sais que quand je suis allée sur le site de Toronto, j'ai pu obtenir un rendez-vous en dedans d'une heure. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui sont disponibles. Il y a 160 centres de dépistage à travers la province. J'espère que les gens pourront obtenir leurs résultats le plus rapidement possible. C'est ce que notre plan vise. Merci. Question suivante. Député de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai parlé de l'expansion du mandat du Canada Christian College. Je continue d'être très inquiète, pas seulement par rapport au processus PCAP, mais plutôt par rapport à la législature qui parle de processus. Les actions de Charles McVitie sont soutenues par notre gouvernement. Il y a aussi des accords financiers très douteux dans cette histoire. Nous avons vu les actions du président des États-Unis, d'ailleurs, qui vont dans ce même sens. Et Charles McVitie, dans ses actes, n'est pas décent. Il faut que le projet de loi 213 ne permette pas l'admission de Charles McVitie. Ministre des Collèges et des Universités, sous le paragraphe 7 de la Charte des droits et libertés, nous avons tous le droit à la justice. La justice fondamentale. La justice fondamentale fait appel au principe d'équitabilité. Nous ne pouvons pas interférer avec ces procédures. Cela viole le principe de justice fondamentale. Je ne demande à personne ici d'adopter ou de rejeter les croyances. Je demande simplement que vous acceptiez le principe de justice fondamentale. Question supplémentaire? Donc, Monsieur le Président, si je demandais une interférence par rapport au processus de PICA, cette réponse aurait été légitime, mais ce n'est pas ce que je demande. Je parle d'une décision politique de changer ce processus. Mais j'ai une question très personnelle pour le Premier ministre. Peut-être que le ministre peut passer le message. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer son comportement par rapport à tous les parents musulmans et de la communauté LGBTQ? Toutes ces personnes qui auront à dire à leurs enfants de la communauté LGBTQ et musulmans pourquoi le gouvernement ne tient pas leurs droits en considération. Le gouvernement ne peut pas expliquer, ne peut pas donner d'explication. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il est d'accord avec Charles McVitie, ou peut-être qu'il n'est pas d'accord avec lui. Mais, puisque Charles McVitie a fait une faveur, il faut qu'on lui rende la faveur. Donc, le gouvernement rend une faveur, et c'est la promotion de la haine. J'aimerais que la députée retire ses commentaires. J'ai demandé au premier ministre que veut-il que nous disions à nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on récompense quelqu'un alors que les membres de la communauté LGBTQ sont considérés comme étant le diable venant de Charles McVitie? Ministre des Collèges et des Universités, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent qu'on interfère avec le processus indépendant.
Nous ne pouvons pas nous mettre en travers du chemin de ce processus. Je sais que la députée de l'opposition l'a fait souvent. Il y a eu plusieurs scandales, d'ailleurs, à ce sujet. La chef du Parti libéral, Stephen Del Duca, l'ancien député de Vaughan. On peut parler, par exemple, de scandales liés à des piscines qui ont été creusées ou des stations qui ont été construites. De notre côté de la Chambre, nous n'interférons pas. Question, député de Nicole Bell. De la Santé. With COVID-19 numbers on the rise, avec les cas de COVID qui augmentent, l'Ontario a un plan alors que nos services de santé sont débordés. Pendant l'été, on a critiqué le système de triage dans les hôpitaux, mais beaucoup d'organisations ont demandé au gouvernement d'annuler ce processus, ce protocole. Le triage a été critiqué. Cela discriminait les gens qui avaient des handicaps alors qu'ils ont besoin de soins cruciaux. Les unités de soins intensifs ne fonctionnent pas à pleine capacité et cela peut avoir un impact fatal sur les personnes avec un handicap. Est-ce que le ministre annulera le protocole de triage? Ministre des Soins de longue durée. Merci de parler de cette question. Il faut clarifier cela. Je n'ai rien à voir avec ces protocoles de triage. Cela a été fait par des experts de la santé, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais vu ces processus devenir une réalité. Et je trouve cela un peu offensant. Quiconque dans un foyer de soins a besoin de soins, ils le recevront. Donc, je rejette les prémices comme quoi il y a des comportements d'une telle nature. Question supplémentaire. Il y a de cela 2 mois, le gouvernement a reçu des recommandations par rapport au triage pour remplacer le triage du 28 mars qui a été envoyé à tous les hôpitaux. Malgré la promesse de transparence, le gouvernement a conservé ce protocole de triage très secret. De ce fait, la ministre n'est pas au courant. Nous méritons tous de savoir quelle sera la décision du gouvernement par rapport à cela. Beaucoup d'organisations nous prient de révéler les recommandations. Est-ce que la ministre pourra rendre publiques les recommandations de la table de commande sur les protocoles de triage? Réponse? Merci, M. le Président. Merci pour la question. Bien sûr, la santé des Ontariens est notre priorité. Et ce protocole a été développé, mais il ne devrait pas être mis en place. Ainsi, ce processus ne devrait pas être mis en place. Notre gouvernement a aussi investi 2,8 milliards de dollars pour s'assurer que les Ontariens soient en sécurité. Et nous mettons notre plan en place. Donc, nous ne pensons pas avoir à utiliser ce protocole de triage. Question suivante,
Député de Glengarry-Prescott. S'adresse au premier ministre. C'est vraiment difficile à croire que le gouvernement continue de justifier sa mesure faufilée dans le projet de loi 213 qui confère le pouvoir important de décerner des diplômes universitaires à un homme homophobe et islamophobe qui continue de propager la haine, un certain M. McVitie, un grand ami du premier ministre, ça a l'air. Moi qui n'avais jamais entendu parler de cet homme avant, admettons que j'aurais pu m'en passer. Monsieur le Président, si vous voulez faire des cauchemars, écoutez cet homme parler. De quoi faire dresser les cheveux sur la tête? Chez nous, du monde de même, on tord ça de côté, ça prend pas de temps. Mais ici, avec ce gouvernement, ça a l'air qu'on les récompense avec le pouvoir de décerner des diplômes universitaires en or et en, wait for it, en sciences. Incroyable et absolument inacceptable. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre et son gouvernement tiennent-ils à octroyer de tels pouvoirs à un homme homophobe, islamophobe et haineux? Mr. Colleges and Universities. Ministre des Collèges et de l'Université. Merci, Monsieur le Président. Je vais élaborer davantage, car nous avons parlé de cela toute la semaine. Le processus est l'élément critique de la situation. La justice fondamentale nécessite un processus comme cela. Donc, quiconque veut postuler pour un permis, ils doivent passer à travers ce processus. Je ne sais pas ce que l'opposition veut que je dise. Peut-être que je devrais pirater le système, je ne sais pas. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire. Il y a un processus. Cela relève du domaine public et il faut que ce soit transparent. C'est pourquoi nous sommes ici. Question supplémentaire? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas répondre à une question simple? Est-ce qu'ils combattent la haine, l'homophobie et l'islamophobie? Si oui, est-ce qu'ils vont enlever le paragraphe qu'ils ont mis dans le projet de loi 213? Donc, est-ce que le gouvernement fera la bonne chose et enlèvera ce paragraphe du projet de loi 213, oui ou non? Ministre des Collèges et des Universités, Monsieur le Président, nous respectons la justice fondamentale et nous sommes en faveur de la justice. Nous ne sommes pas en faveur de la haine. Mais ce ne sont pas des synonymes, alors que c'est ce que l'opposition veut nous faire croire. Ce ne sont pas des synonymes. En fait, on parle d'équité de procédure. Nous devons entrer dans cette chambre et avoir un débat respectueux. Il faut s'assurer que nous ayons tous la possibilité de suivre un processus et savoir à quoi réfère ce processus. Nous devons avoir un débat respectueux. Et c'est ce que nous espérons. Nous sommes en faveur de la transparence et de la justice. Question suivante, député de Scarborough Southwest. Merci. Le député de Scarborough Center a visité une entreprise de cosmétiques. L'entreprise voulait diminuer le fardeau bureaucratique. Les employés de cette entreprise craignent pour leur santé car ils continuent de travailler pendant la pandémie. Car il paraîtrait que cette entreprise soit un travail essentiel. Pourtant, par la suite, 180 personnes ont perdu leur emploi. Ces travailleurs ont des droits essentiels. Est-ce que le ministre peut expliquer quel genre d'entente a été faite avec Cosmetica pour congédier de la sorte des employés? Ministre de l'Emploi? Monsieur le Président, merci pour la question. La santé et la sécurité des travailleurs de l'Ontario sont notre priorité. C'est pourquoi nous avons annoncé que nous allions engager plus d'inspecteurs. C'est un nombre plus élevé que jamais.
Nous avons aussi augmenté la capacité des centres d'appel. Ainsi, si des travailleurs craignent pour leur sécurité, ils peuvent appeler au centre de, au centre d'appel et il y aura une enquête faite sur les allégations des travailleurs. Donc, il y a des ressources en ligne et des ressources téléphoniques pour les travailleurs et les employeurs de la province. Question supplémentaire? Depuis le dernier mois, je lutte pour ces travailleurs. Ces travailleurs ont été congédiés par une entreprise qui les a remplacés simplement pour sauver de l'argent. Ils n'ont pas pu recevoir de bénéfices. Donc, j'aimerais savoir. Donc, je veux que le ministre agisse. Il faut que ces travailleurs puissent avoir des réponses. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu avoir de bénéfices? Pourtant, donc est-ce que le ministre expliquera pourquoi il n'est pas prêt à aider les travailleurs? Car supprimer les droits des travailleurs ainsi est inacceptable. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi il n'est pas capable d'aider ces travailleurs? Ministre de l'Emploi? Au contraire, le gouvernement aide les travailleurs à tous les jours. En fait, le premier projet de loi que nous avons amené pendant la pandémie était le projet de loi 186. Cette loi qui a été soutenue par tous les députés de la Chambre nous montre que s'il y a des cas d'isolation, de quarantaine, si des gens doivent rester à la maison pour s'occuper d'un être cher, ils pourront le faire. Et nous nous attendons à ce que tous les employeurs suivent les directives. Autrement, il y aura des pénalités à payer. À l'ordre, cela conclut la période des questions. Conformément au règlement, le député d'Ottawa Sud a exprimé son insatisfaction par rapport aux tests en foyer de soins de longue durée. Ce sujet sera débattu le mardi 16 novembre. La séance est levée.